Bonjour, tu regardes ASMR Frères. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours en cette période de confinement. Et oui, tant que vous verrez ce décor, de toute façon, c'est que la vidéo est pré-filmée et que je suis toujours chez les parents de mon copain. Alors, ça fait plusieurs fois en fait que je vois sur Twitter, Instagram, etc. des bails de starter pack qui tournaient. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi j'en ferais pas une vidéo? Du coup, je me suis dit que ça serait cool que je fasse les starter packs de youtubeurs, influenceurs, même de certains de mes potes que vous avez déjà vu sur cette chaîne ou pas d'ailleurs, pour faire des petites refs à mes copains. Donc voilà, du coup, je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer les youtubeurs que vous vouliez que je starter packise. Et je vous ai également demandé de faire mon starter pack, donc je réagirai à tout ça en fin de vidéo. Tout d'abord, on va commencer par faire les starter packs des gens. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je sais que c'est un petit peu simple, mais bon, en cette période de confinement, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que la plupart des idées de vidéos que j'avais, c'était des vidéos qui devaient se tourner chez moi ou alors avec des potes. Du coup, je me retrouve à devoir faire des vidéos qui sont faciles d'accès. Yanissa, c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup, enfin je sais pas, je sais pas, de base le but de la vidéo c'est pas de dire ce que je pense des youtubeurs. Alors Yanissa, qu'est-ce que je mettrais? C'est vrai que je trouve que c'est quand même une vidéo assez compliquée. Je réfléchissais à quelques starter packs que je pourrais donner à des youtubeurs et en a vraiment je n'ai aucune idée alors que c'est des gens que j'adore. Déjà Yanissa, je mets maquillage, ça c'est clair, peut-être une perruque aussi parce que c'est vrai qu'elle en met souvent et ça lui va très bien. Bah j'aurais mis le petit Domi, le bébé aussi, et une petite fille. Par contre ça compte pas de mettre les réseaux et de mettre YouTube hein, parce que c'est de la triche hein. Ou alors je me donne des jokers. Genre j'ai 3 jokers, j'ai le droit de mettre YouTube dans des trucs de starter pack si j'ai vraiment vraiment pas d'idée. Ah bah tiens, j'ai B qui met Béran gâteau. Bon, par contre c'est un peu compliqué de faire un starter pack de Béran gâteau. En fait c'est qu'en ce moment Béran elle aime bien faire des recettes. Je l'ai appelé Béran alors que je l'appelle jamais Béran, c'est B. B. Du coup pour B, attends, qu'est-ce que je peux faire comme starter pack? Oh, déjà faut que je mette un troubadour parce que B elle me fait trop rire vraiment. Elle apprend à jongler, elle apprend à faire de l'escrime et tout. C'est trop bien mais c'est très très drôle. Genre c'est vraiment typique de la personne elle qui va faire ses petits cours de théâtre, qui va apprendre à jongler avec du feu et à se battre avec une épée sur une musique épique. Bon, genre limite les feuilletés à la saucisse, la tarte à la saucisse comme je le dis, enfin comme Mathieu le dit. Chouchou. Oh, je vais mettre des petits indiens. Elle aime beaucoup l'Inde, la petite B. Attends, un quatrième. Ah bah Maya. Bien évidemment, comment tu peux faire un starter pack de B sans mettre Maya? Ouh, Mr. V. Bah déjà, on met un album, un disque d'or. Au pire, je vais mettre drôle parce qu'il est très très drôle. C'est vraiment un des youtubeurs qui me fait le plus rire. Mais il me semble qu'il fume des terres, du coup, bah, je mettrai un gros ouinge. Oh, le basket. Je crois qu'il adore le basket. Luche. Alors, ça c'est très compliqué. C'est une des personnes auxquelles j'ai réfléchi avant la vidéo et je n'ai pas d'idée. Dans son fond, il a souvent une espèce de... comment t'appelles ça? Enfin, un espèce de drap décoratif. Ah si, je mettrais ça, mais je vais faire le starter pack le plus claqué. Pourquoi il m'inspire rien? Est-ce que je mets Storytime? Bah vas-y, je mets Storytime, hein, je suis désolée. Je peux mettre des buffalos. Est-ce qu'il a des buffalos? Il habite pas au Havre? Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Squeezie. Attends, je réfléchis. Natsu déjà, on met un Shiba. Reddit? Sur Reddit, je crois que c'est ça. Oui, on va aller sur Reddit. Ouais, bah Yoko. Est-ce que j'ai le droit de mettre un bigorno? Moi, je trouve que c'est sympa. Les personnes qui trouvent que c'est pas sympa, et ben j'ai... Ah non, pire, je peux mettre le Japon. Merlin, tiens. Alors, Merlin, déjà, je lui mets un gros ange, parce que c'est un gros fumeur de terre. Là, il a rasé son crâne, du coup, je vais mettre un œuf, parce que je suis une pute. Edin, c'est pas sa marque, mais il porte très souvent du Edin, du coup, parce que c'est son beau-frère qui a fait Edin. Une caméra, enfin, un truc pour le cinéma, parce qu'il adore le cinéma. Il est très cinéphile. Seb Lafright. Seb Lafright, qu'est-ce que je peux faire pour Seb Lafright? Je me dis, je mets une clope, hein. La Papouasie. Je mets Léna situation, hein. Mais Léna et Seb, vraiment, je les trouve beaucoup trop beaux. Genre, dès que je les vois dans ma télé, ben, je les vois et je me dis, mais... Waouh. Enfin, ils sont mignons, quoi. Ah, bah tiens, un micro ou un truc en rapport avec la musique. C'est vrai qu'il fait de la musique, maintenant, le garçon. Léna situation. Plus égale plus. Des fringues aussi, parce que, bon, passionné de mode, on est ensemble. Ah, son réfraîchage, je sais pas quoi, là, citron vert de je sais pas quoi. Jennifer, vu qu'elle travaille avec Jennifer. Loudeb. Moi c'est rigolo parce que je me suis rendu compte qu'en fait les deux youtubeuses que j'aime le plus, elles s'appellent toutes les deux Lou. Bah elle fait souvent des expériences capillaires, donc vas-y je mets plein de coupes de cheveux. On dirait qu'elle est tout le temps dev, du coup vas-y je mets des joints aussi. On met des fringues aussi parce qu'elle adore la mode aussi. Bah on met ses deux colocs. Non mais je pense qu'on est bien là. Amy LTR. Je vais mettre du cinéma aussi, un truc en rapport avec le cinéma parce que du coup vu qu'elle fait pas mal de fiction. Je crois que je vais devoir utiliser mon joker. Bon, je dois forcément avoir une idée. Au moins une idée. Elle a un chien, non? Je sais pas du tout comment il s'appelle, mais je crois qu'elle a un chien. Elle est hyper sensible. Gaël Garcia Diaz. Martin Cosmetics. Son mec aussi. Vas-y, on met son chien. Timur, je crois qu'il s'appelle. Il est trop beau, son chien. On met des tatouages. Faut que je fasse plus de mes potes. Je vais faire Manon, tiens. Je vais mettre un joint. Non pas parce qu'elle fume énormément, mais parce que vous croyez tout le temps qu'elle est défoncée. Mais elle n'est jamais défoncée. En tout cas, elle n'a jamais été défoncée sur ma chaîne. Je mettrai des lunettes de soleil parce qu'elle a tout le temps ses putains de lunettes
lunettes de soleil. Même je me rappelle dans la première vidéo qu'on avait postée ensemble et qui est actuellement en privé, elle avait ses lunettes de soleil. J'aurais bien mis le drapeau de la France, mais ça je vous expliquerai après parce que j'ai vu son starter pack qu'elle m'a fait et elle a mis le drapeau de la France. Bah le sexe, parce que Manon sur le sexe, ça marche pas en fait. Ah le café, elle aime trop le café, à chaque fois qu'on se voit c'est pour boire un café. Qui c'est que vous avez vu aussi sur ma chaîne, vous avez vu Lana, tiens, des fringues, beaucoup de fringues. J'ai l'impression que dès qu'on se voit on fait du shopping en fait, mais c'est pas une impression, c'est un fait, une combattante. Lana c'est une fille que j'admire énormément de par ça, parce qu'elle se bat énormément contre les choses auxquelles elle tient. Actuellement elle est en train de monter un truc avec une assoce qui est super cool, je vais faire partie du projet donc je vous ferai sûrement une vidéo là dessus. Bon ce sera plus tard hein, bien sûr ce sera pas bientôt non plus. J'aurais mis un petit septum. Ah j'aurais mis un H. Et ça y est que Lana qui peut comprendre pourquoi. Vous avez vu Chachou? Chachou, bah tu peux pas faire un starter pack de Chachou sans avoir Titi cette fois. Son signe astrologique c'est Lion. Et c'est vrai que c'est un signe qui lui va tellement bien que je pense que je vais mettre un Lion. Une caméra. Elle adore le cinéma, elle est actuellement en fac de ciné. Et l'année dernière elle était avec moi dans ma classe en cinéma. Je pense que j'aurais mis une famille. Je trouve que Chachou est une personne qui est très attachée à la famille, est très proche de ses parents et tout. Chéra, son petit chien, un petit équel, trop chou. L'astrologie aussi. Les fringues encore une fois, bon c'est un petit peu simple parce qu'il y a plein de gens qui adorent les fringues en fait. Elle se maquille plus. Est-ce que je mets du maquillage et je le barre? Antonin! Bah c'est un gros fêtard, du coup je mets de l'alcool, genre le drapeau de l'Amérique. Amour, gloire et excès. C'est quand même une série culte qui représente Antonin. Qu'est-ce qu'il y a pour Antonin? Pour Antonin. Pour Antonin. Pour Antonin. Ouais. Je sais pas. Est-ce que j'ai le droit de mettre le logo Mercedes? Ezil. Bah en soi, Ezil c'est trop simple. Genre vraiment, elle a trop de trucs qui la définissent. Genre broderie, eyeliner bleu, Jean, l'axolote de Doc Martens. Allez, ça c'est fait, ça remballe. Pure Human Soul. C'est un peu compliqué parce que c'est vrai que je regarde pas toutes ses vidéos. Mais en tout cas, je suis vachement reconnaissante par rapport à elle parce que c'est vrai qu'elle m'a mis plusieurs fois dans sa story et je trouve ça tellement adorable de sa part de partager mon contenu que voilà, je la respecte beaucoup. Je pense que je vais user mon joker. Tu m'appelles, je la... En fait, il y avait un moment où j'avais plus du tout confiance en moi. Et du coup, niveau sexuel, genre vraiment, pour moi, j'étais une merde. Et du coup, j'ai regardé son tuto pour ma fellation. Je peux mettre quelque chose qui représenterait une fellation. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais mettre par rapport à elle? Elle a travaillé au McDo aussi. Donc, vas-y, je mets un McDo. Hein. Je sais qu'elle veut devenir sexologue. Je crois, ça se trouve, je dis de la merde. Du coup, je peux mettre une sexologue. Bon vas-y, je vois que vous l'avez pas mis, mais moi je veux absolument parler de Lootyful parce que j'aime beaucoup cette youtubeuse. C'est rigolo parce que justement je vous ai dit avant que mes deux youtubeuses préférées, enfin les deux youtubeuses que je respecte le plus, bah en fait elles sont tellement différentes toutes les deux, mais je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup leur personnalité aux deux. Du coup voilà, Lootyful, qu'est-ce que je dirais sur elle? Je mettrais un petit bébé parce que maintenant elle a accouché et je la respecte tellement cette fille parce que je la suis depuis sa première chaîne avec sa sœur en 2013, un truc comme ça. Et aujourd'hui elle est maman. Mon cœur fond, j'ai envie de mettre un aspirateur qui est robot parce que dans chaque vlog tu vois son aspirateur. J'aurais envie de mettre YouTube, mais c'est pas parce que j'ai pas d'inspi, mais c'est parce que je trouve que c'est une personne aussi que je respecte énormément de par sa productivité. Ça se voit qu'elle aime faire ça et à chaque fois dans ses vlogs tu vois qu'elle bosse tout le temps. Je sais qu'elle parle souvent des 8 à Bix, tu crois que ça s'appelle comme ça? Une des seules personnes sur Terre qui aime ça. Du coup vas-y je mets ça. Maxence. Son album de musique là il s'appelle Arrobas je crois. Mais je mets drôle hein. Petite chemise colorée. Bon bah je suis désolée mais je vais utiliser mon dernier joker hein. Aussi encore dans mes potes je voulais bien faire Nao parce que Nao bah c'est une fille que j'aime beaucoup aussi. Des piercings, des tatouages, Jen Ali et... Allez, ça va venir. Ah bah la fiesta, j'ai l'impression que Nao dès que je lui parle elle me dit ce soir je vais faire la fiesta. En plus à chaque fois elle revient genre à 7h du matin, moi je vous jure à 3h du matin, je suis fatiguée. Et en dernier nous allons faire Elixen, dite Lilix sur YouTube. Décoloration, parce que c'est vrai qu'elle change souvent de couleur de cheveux. Des friperies. Je sais qu'elle est... Il me semble qu'elle est... qu'elle est pas vraiment... Enfin si, elle est... Ah des bails un petit peu asiatiques. Je pense que j'aurais mis Amandine, parce que c'est vrai que c'est sa meilleure pote. Maintenant, du coup, je vais réagir au starter pack que vous avez fait de moi. Je parle un peu plus doucement parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Alors c'est très rigolo que t'aies mis les cols roulés parce que je crois que j'en mets pas tant que ça. Mais c'est rigolo parce que du coup de voir les starter packs en fait ça montre comment vous nous voyez. Les émissions télé par contre ça c'est complètement vrai, vraiment je passe ma vie devant la télé. C'est vrai que maintenant beaucoup moins parce que du coup vu que je suis chez la famille de mon copain bah j'ai pas accès à la télé tout le temps. Alors que chez moi vraiment je passe ma vie devant la télé, c'est très rare que ma télé ne soit pas allumée. Donc bon c'est vrai que ça fait plusieurs fois que j'ai loupé Pékin Express, si quelqu'un ose me spoiler je te jure que tu vas aller pourrir en enfer. Les ratoutous, oui il faut y penser, vous avez été beaucoup à penser aux ratoutous, c'est très bien.
c'était mon mec qui enlevait les toiles d'araignée. Le sexe, et ben sachez que c'est très rigolo parce que je me suis grave calmée dernièrement. Je sais pas pourquoi. Astrophobie. C'est trop rigolo que tu me définisses par l'astrophobie, mais c'est quand ben, je fais des vidéos comme ça, c'est bidon en vrai, mais c'est là que tu te dis putain, j'ai une communauté qui me suit, qui sait qui je suis alors qu'elle ne sait pas qui je suis. Ah putain, Manon qui m'a fait ça, mais vraiment Manon, je lui suce la bite. Enfin, il est trop drôle son truc. Elle a mis un drapeau français, mais je vous ai dit que je vous expliquerai pourquoi, mais c'est parce qu'en fait, depuis que je suis partie en Angleterre, j'ai un problème avec la France. Là maintenant ça s'est un peu calmé, mais avant, vraiment, il fallait tout le temps que je prononce au moins une fois France dans ma phrase. Mais et la France, pour moi, ça voulait tout dire, ça voulait dire tout et n'importe quoi. Genre je pouvais dire oui, non mais moi j'en ai marre de la France et tout. Putain, mais France, mais pourquoi je suis comme ça? Oh mais non, mais la France, c'est vraiment de la merde. Ça veut rien dire, mais c'est tout moi en fait. Et voilà, du coup, bah, j'ai communiqué le tic à Manon, ce qui fait que dès qu'on se voit, on fait la France, les Français. Ça fait très patriotiste, mais... Et on avait même fait une musique où au début, on faisait France, 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 nos vies n'ont aucun sens. Et un petit Kigurumi Stitch, parce que c'est vrai que dans mes vlogs, vous le voyez tout le temps avec mon autre pyjama avec des étoiles là. C'est là-dedans que je passe toutes mes journées. Ah ça j'adore, c'est trop drôle. Elle a mis Mélenchon. Je ne peux qu'être fière de ça. Tes amis et ton copain, et oui parce que j'ai un amoureux et je l'aime beaucoup. Oui parce qu'en fait j'ai toujours besoin de le répéter parce que sinon les gens croient que je suis célibataire alors que non et que j'en ai rien à foutre de vous jeunes personnes qui veulent me pécho. Et elle a mis la petite cage des ratoutous, parfait. Ouais c'est très bien, c'est très bien. Parce que dans tes émissions tu as mis Danse avec les stars. Et que Danse avec les stars c'est mon émission télé préférée. J'aime tellement Danse avec les stars, mais vraiment mon rêve c'est de passer à Danse avec les stars. Mais s'il vous plaît faites moi participer à Danse avec les stars. Genre vraiment je vais animer déjà votre émission. Et en plus de ça je deviendrai une déesse de la danse. Ce serait tellement bien. Mais si j'avais de l'argent, vite moi que je ferais une série de vidéos de moi qui apprend la danse de salon. Ce serait trop bien. Du whisky, bravo. Oh c'est bien, tu as mis j'adore le pâté. J'adore le pâté, c'est ma voiture si vous ne le savez pas. Et en plus t'as mis Prettiest Virgin, ça c'est très bien aussi. C'est ma musique d'intro pour ceux qui ne le savent pas. Très très cool, Agar Agar, j'aime beaucoup ce groupe. Je les ai vus en concert d'ailleurs à Poitiers. C'était très sympa. Ah ça c'est Nao qui me l'a fait être stylé à SPAC. Ça me fait plaisir. C'est gentil. J'espère que mon statapette qui va te plaire aussi. Le Lisa, une paire de Doc Martens avec une plateforme. Ah bah il y a Luna, mais trop drôle. Elle m'a sorti un starter pack avec mon prof de philo partout. J'en ai peut-être déjà parlé sur ma chaîne, mais c'est vraiment un mec que j'admire énormément. De par son parcours, son... Oh putain, ça me saoule. Pourquoi j'arrive pas à parler quand je parle de lui? En plus, je parle avec le cœur. C'était mon prof de philo, du coup, l'année dernière en terminale. Et c'est vrai que bah, il m'a fait ouvrir les yeux sur plein de choses. La philo, ça m'a énormément aimé, mais putain, mais Maëva, est-ce que c'est possible de faire autant de fautes? Il m'a énormément ouvert l'esprit, en fait, il m'a fait voir les choses plus loin que je les voyais déjà. Et du coup, ça a vraiment développé mon esprit critique. J'ai appris à réfléchir grâce à lui. Pff, vraiment, c'est le meilleur prof que j'aurais pu avoir. Et du coup, en fait, je le trouvais tellement impressionnant de par son intelligence, son charisme et tout, que ben, j'arrivais pas à lui parler. Dès qu'il venait me voir, je lui disais non, on se parle par mail parce que j'étais incapable de lui parler. Il fait des vidéos sur YouTube, donc c'est pas comme si ça devait être censuré. Chachou, Merlin et Bi. C'est très très drôle que t'aies mis décalé parce que je trouve que c'est un des mots qui me définit le mieux. Je ne peux pas être dans une case, je vais forcément jouer de toutes les cases qui existent. Et du coup je crée ma propre case. Et encore, nique les cases. Hein. Et ceux qui ont mis McDo aussi, je vous aime parce que vraiment McDo, ma vie, ça me manque tellement. Cette période de confinement, je suis trop triste. Ce soir je vais chez mon mec. Ça c'est trop drôle aussi parce que c'est vrai que dans mes vlogs, mais tous les soirs pratiquement je dors avec mon mec. Mais j'aime trop dormir avec lui aussi, d'ailleurs c'est ce que je lui disais, genre là, pendant tout le confinement on dort ensemble. Qu'est-ce que ça va être quand on va retourner à Poitiers? Mais je vais pas pouvoir dormir toute seule en fait, je vais m'habituer à dormir avec lui moi. Monteuse de qualité montage, ça fait super plaisir, merci beaucoup. Un O? Un joint? Mais ça me ressemble si peu. Je fume pas du tout, enfin je fumais un peu avant mais maintenant je fume plus. Faut remarquer que je dis ça, je vais sûrement vous sortir une vidéo sur le CBD bientôt. Voilà, ça se trouve ce sera pas totalement vrai. Mais en tout cas je ne fume pas du cannabis illégal. Des bouteilles de whisky, ça on apprécie fortement, des ratoutous et sexe bien évidemment. Et bien. Voici la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas ça m'a fait plaisir de la faire. Bon ben je pense que je vais vous laisser parce que il y a quelqu'un qui va ouvrir une porte en bas.